Le Bourgeois. Mireille de premier, Ménard deuxième. Bongo, un beau double. Oh, c'est pas prêt. Ouais. Le 3-17, Dominique Aymon, c'est peut-être fait peur un peu. Là. Il a mis ça sur le bumper arrière, mais ça s'est placé. C'est serré toujours entre Ménard et Mérette. Mérette garde l'avantage. Mais c'est un peu assez impressionnant. On va dire des débutants qui mènent quand même une course assez agressive. On est à mi-course. On a l'habitude de leur donner à peu près comme 4 minutes parce que, étant donné qu'ils ne sont pas trop habitués à participer dans des postes et des sauts comme ça, ouais. La fatigue se fait sentir assez vite et on ne veut pas qu'il y ait des accidents. Exactement. Alors, un des trucs de notre directeur de course, c'est qu'il remarque les casques. Quand le casque protecteur commence à se promener un peu trop et que les têtes sont molles, il fait signe au signaleur de raccourcir la course. Mais jusqu'ici, ça va bien. Le 3-17 a manqué l'arrivée de son saut. Mérette est toujours premier, mais Ménard est bon deuxième. Alors le signaleur a préparé son drapeau blanc pour leur annoncer que c'est le dernier tour. Richard Ménard passe pour le dernier tour. Un beau double. On doit le dire, Ménard.